Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pranker Lily Rose. Regardez ce que j'ai récupéré, je suis avec Massilia. Bon, maintenant vous la connaissez, l'amie de Lily Rose, l'amie youtubeuse de Lily Rose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pranker Lily Rose. Lily Rose, elle est en train de faire une grosse sieste dans la chambre d'à côté. Là on est en fin d'après-midi, elle est ultra fatiguée, elle dort ultra profondément. Et regardez, j'ai donné mon déguisement de sort. Regardez qui voilà, la chipie. Allez vite, non, fais pas de bruit, tu vas réveiller Lily Rose sinon pendant le, avant le prank. Et en fait Massilia, elle va mettre le bot, tu peux l'enlever pour l'instant parce que il est beaucoup trop grand pour elle. Elle va mettre le costume de sorcière. Sauf que Lily Rose, elle sait qu'on a un costume de sorcière, mais elle s'attend pas à ce que Massilia elle le prenne, et surtout une sorcière aussi petite. Ne vous inquiétez pas, on va pas lui faire trop peur non plus. Allez, t'es prête? Ouais. T'es prête à Mas, allez, vas-y. Mets la sorcière, ferme un peu le déguisement. Bon, en plus, je vais remettre. Ouais, t'as de la place à l'intérieur parce que t'as une petite tête et ça, c'est quand même une, c'est quand même un grand masque de sorcière. Allez, hop, mets bien la cape. Tu vois quelque chose ou pas? Non, voilà. elle a pas les trous en face des yeux. C'est bon. Bon, allez, ça fait trop bizarre. Vas-y, attention. Je vais regarder comment elle est Lily Rose, et quand je te dis de rentrer, tu rentres et t'iras la voir et tu fais un gros bout, d'accord? Ok. Regarde Mas, regarde Cam, comment elle est ta sœur. Ça fait rire ou ça fait peur? Ça fait rire. Ça fait rire? Bon allez, c'est parti, fais pas de bruit Cam. Regardez. C'est bon, Lily Rose elle est en train... Mas. Lily Rose elle est en train de dormir. Vas-y, tu rentres, il fait noir, je vais allumer la lumière. Regardez. Chut. Regardez. Vas-y, on rentre dans la chambre de Lily Rose. Vas-y, attends, je vais allumer la lumière. Et Cam. Mas, tu tapes juste un petit peu, voilà, pour qu'elle se réveille. Tu fais comme ça, tu tapotes. Elle va être surprise. C'est quoi ça? Mais c'est qui? Attends. Massilia! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, je m'en vais, je suis son amie. Lily Rose, faut pas le prendre mal comme ça. Si. Elle l'a mal pris, je pense qu'elle veut plus être ton amie. Oh punaise. Oh non, mais je suis désolée Massilia, moi je pensais qu'elle allait un peu rigoler et tout. Je pense qu'elle va le dire aux parents. Il faut qu'on fasse la réconciliation là. Allez vite. Ah, je suis désolée là. Vas-y, viens, prends-le. Attends, on va aller voir les parents. Viens. Je pense qu'ils sont là. Ils sont là. Alors la vengeance, parce que Massilia, elle a pranké Lily Rose. Massilia, elle est arrivée dans la chambre de Lily Rose habillée en sorcière pendant que Lily Rose dormait. D'ailleurs, à cause de ça, pendant une heure, elles étaient plus trop amies. C'était un peu n'importe quoi. Du coup, ouais. Lily Rose, elle a réfléchi à une vengeance. Oui. Alors, vous inquiétez pas, ce sera une vengeance un peu gentille. Oui. Mais Massilia, je pense que elle va quand même avoir un tout petit peu peur. Ouais. Alors, en fait, là, elle va bientôt aller se coucher. Ouais. Donc, elle, va dormir ici cette nuit. Et on lui a fait croire que Lily Rose était partie manger une glace à la plage, tout ça. Et là, mais en vrai, pendant ce temps-là... Je vais mettre là... Et voilà. Quand elle dormira, je vais faire bouh. Et Lily Rose, elle va se cacher dans le placard. Là, on va pas vraiment fermer. On va laisser ça comme ça, un peu entrouvert. De toute façon, elle va rien voir. Oui. Et quand Massilia, elle va aller se coucher, moi, je vais rester ici. Je vais lui dire bonne nuit et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et en vrai, toi, tu vas faire des grattes comme ça, ok? Et quand moi, je vais faire semblant de partir de la chambre, d'un coup, tu vas sortir et tu vas faire bouh, vengeance, ok? Ok, je vais chercher Massilia. Ouais, et par contre, quand tu sors de la chambre, tu dis je sors de la chambre. Ouais, et fais des petits bruits. Ouais. Mais de toute façon, tu vas m'entendre pour la vidéo, je vais dire je sors de la chambre. Tu fais des petits bruits, genre. Okay. Elle va dire il y a des trucs bizarres et tout. Vas-y, je vais chercher Massilia. Je pense qu'elle est dans la chambre d'à côté. Mas. Quoi? Il va falloir aller dormir là. C'est vrai? Ouais, il faut aller dormir. Allez, tu viens? Et cette fois, tu vas dormir dans la chambre de Lily Rose. Comme elle est pas là, elle est partie manger une glace. Ouais. T'es contente? Allez, viens. On y va. Let's go. Hop, c'est parti. Bon, de toute façon, t'auras le grand lit pour toi. Il y a plein de place, t'inquiète pas. T'entends ou pas les bruits? T'entends, il y a des bruits bizarres dans la chambre. Ça vient de là? Ouais, mais attends, c'est pas grave, à mon avis. C'est comme si une vieille maison, il y a des bruits de bois. C'est pas... Hein? C'était quoi ça? Non, c'est pas grave. Ça doit être le chat du voisin, il fait des bruits. Ah. Allez, c'est pas grave, tu vas pouvoir aller dormir. Bon, je vais te laisser. Ça va, ça te dérange pas? Parce que là, Lily Rose, elle est partie manger une glace. Et même les parents,
Ils sont partis, ils sont dehors, ils discutent et tout. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon, allez, je vais partir de la chambre. Allez, let's go. Je sors. Hop. Vengeance, Rosel Witch. T'as pas eu trop peur, ça va? Non. En vrai, elle a presque pas eu peur. Tu l'as juste surprise sur le moment. Bon, mais tu te rends pas compte, mais c'est pas l'heure d'aller dormir là, Mas. Il est que 20h. Il fait encore jour. Ça, t'as pas trouvé ça bizarre? Mas, elle est un peu choquée du prank parce que elle s'attendait pas à une vengeance. Parce que quand t'es allée dans la chambre en sorcière, Lyrose, elle a boudé. Oui. Du coup, je voulais faire une vengeance. Bon, ça va, le prank a été sympa quand même. Oui. Du coup, elle remet direct ses chaussures. Je pense que là, elle va profiter pour aller jouer parce que avant que je commence la vidéo, elle m'a dit: ah, mais il fait encore jour, pourquoi on doit aller se coucher maintenant et tout. Et Lyrose, pourquoi elle est partie manger une glace toute seule? Bon, les amis, c'était une petite vengeance sympa. J'espère que tu vas pas te venger, Mas. Chose. Là, on est encore en vacances avec Massilia, etc. Et Massilia, elle est fan de Pop-It. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire croire un truc, ok? Ouais. On va lui faire croire qu'on a trouvé un arbre à Pop-It. Ah ouais. Où il y a des Pop-It qui passent à l'endroit où on est parti en vacances. Ok. Parce que sur le côté, il y a un arbre. Personne passe devant parce que c'est derrière la maison et tout. On va prendre les Pop-It, on va les mettre sur l'arbre. Et on va faire croire à Massilia qu'il y a des arbres qui poussent. Avec des Pop-It qui poussent dessus, etc. Vas-y, viens. Mais ce serait mieux de lui faire croire qu'on lui donne tous les Pop-It. Ouais, et que c'est pour elle. On lui fait croire que les Pop-It ils poussent sur l'arbre et qu'après on peut les garder pour nous et tout. Ouais. Bon, je pense qu'elle va y croire tout ça. Oui. Vas-y. Allez, hop, on va mettre ça dans cet arbre-là. Tu les poses un peu, tu vois, sur, un peu autour. Ouais. Après, en plus, c'est des Pop-It. Comme là, on est au début des vacances. Je sais pas quand est-ce qu'on postera cette vidéo. Peut-être plus tard. Ouais. Mais elle est pas encore passée devant l'arbre. Comme on vient presque d'arriver. Ouais. Allez, hop, vraiment, il faut en mettre dedans aussi. Pouh, regardez, il y en aura vraiment partout. Vas-y, donne-en. Il y a même un sac de Wins. Oui, bon, Wins. On va pas le. Hop, on va les mettre dedans. Pose-les aussi dessus. Et on va pas tarder à l'appeler, vous inquiétez pas. Oui. Hop. C'est parti. Hop, regardez. Hop, on en met partout. Des licornes. Hop, des trucs. C'est bon, je pense qu'il y en a assez. Et rentre le sachet. Rentre le sachet, on va appeler Massilia. Massilia ! Ouais, va l'appeler. Rentre dans la maison, on l'appelle. Et hop. Allez, vas-y, c'est parti. On a une surprise. Tu sais, il y a un truc de fou. Ouais, on a une surprise. C'est pas une surprise, mais on a découvert un truc. T'aimes bien les Pop-It ? Oui. Est-ce que tu savais qu'il y a des arbres où il y a des Pop-It qui poussent dessus? Non. Mais si. Regarde, viens voir. J'ai vu ça, il y en a un dans le jardin. C'est vrai? Bah oui, viens voir. Viens voir. Ils sont pour toi. Waouh. Regarde. Et ça pousse ici, là on est en vacances, ça pousse tout seul. Waouh. Et on peut les garder, ça pousse sur les arbres. Tiens, regarde, c'est pour toi maintenant. Attends, après tu vas montrer tous ceux que t'as eus. Regarde, il faut tous les ramasser, il y en a par terre et tout, il y en a sur le côté. Regarde, il y en a même en grand. Il faut et tous tout. Les prendre parce qu'après, une fois que c'est la nuit, ils disparaissent, ils fanent. Oh, dommage. Ouais, attends, je vais les prendre, t'inquiète pas. Ça va, t'es contente d'être venue ici en vacances du coup? Oui. Oh, ça va, c'est cool. Hein. Regarde, allez, il y en a hop, même là. Je vais ramasser ceux-là. Hop. Et tu vas montrer aux abonnés tous ceux que t'as eus. Allez, vas-y, là on va à l'intérieur, on va leur montrer. Mais franchement, c'est pas mal hein, cet arbre à Pop-It. Moi je pensais pas, mais ici il y a vraiment plein de trucs bien. Ça tombe, il y a même des arbres à bonbons. Des arbres à Massilia. Regarde tout ce que t'as eu. Regarde tout ce que t'as eu. Oh là là, il y en a eu au moins 10 et c'est que aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens d'avant ils ont dû les prendre et tout. C'est trop bien. T'imagines si tous les jours des vacances on va en avoir comme ça? Oui. Bon. T'y as cru ou pas, Massilia? Non. T'y as pas cru? Tu faisais semblant pour la vidéo? Oui. Ouais, bien sûr, les arbres à Pop-It ça existe pas. Heureusement. Ouais. Mais bon, vous pouvez quand même vous amuser avec parce qu'on en a pris plein. Ouais. On a même pas tout posé. Il y en a qui traînent dans le salon. Il y en a de toutes les formes. Il y a un gros. Un géant carré. Bon bah. J'ai dit franchement, Massilia, on peut pas la voir comme ça. Elle est maligne quand même. Ouais. Voilà.
on peut pas l'avoir comme ça. Bon, en tout cas, on espère que ce petit prank vous a plu, parce que c'était quand même sympa de lui faire croire ça. Vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît. Qu'est-ce qu'on dit ? À la prochaine. Bye. Bye. Bye bye. Allez, ciao, ciao, ciao. Bye bye.